t'insulter depuis tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Depuis que t'as mis tes vidéos sur internet, on s'est fait insulter de tous les noms. De grosses putes. C'est normal, là, ça. Des choses comme ça. Alors que là, de base, on est là pour chanter. Pas pour se prendre la tête. Eh ben ouais, moi et je suis méchante. Des conneries. Désolée. Comme ça. Moi je vais venir, je vais t'insulter de cadavre. De toi, ça va te plaire? Eh ben voilà. Eh ben on se fait insulter. Et au final, eh ben nous, si on pète un plomb. Arrêtez de spammer. Je suis pas un spammeur. T'es pas un spammeur, t'es le screamer. Au contraire, toi, t'es celui qui a posté la vidéo, donc oui. Et du coup, tous les screamers, tous les spasmes, ils sont venus sur le truc. Pour moi, ça s'appelle un screamer. Si t'es un screamer, t'as pris notre vidéo, tu l'as postée sur Internet. Ça se fait pas. Tu sais que le droit à l'image, t'es dans la merde. On a toutes les preuves. Aujourd'hui, t'as fait le con. Bah, tu vas assumer. Moi, je veux voir les preuves. Jaco, toi, tu sais comment on fait? Va voir si les vidéos, ils sont encore, s'il te plaît. T'as pas le droit de nous prendre nos vidéos et les mettre ailleurs. On veut voir la preuve que cette vidéo a été supprimée. Je vais aller au Schmitt, de toute façon, je vais aller au Schmitt. Il y en a plein qui veulent aller porter plainte, vous êtes tous dans la merde. Mais tu veux payer quoi? Je vous paye si vous voulez, mais tu vas payer quoi? Tu crois vraiment que je vais te donner mon adresse pour que tu m'envoies des sous? On n'en veut même pas ton truc, on n'en veut même pas ton argent, là. Ton argent sale, on n'en veut même pas. Ah oui, il a bien raison, Judef. Argent sale de screamer. Ah, merci, ça... Judef, c'est bien. Il a le droit, mais bien sûr, alors moi je vais prendre ta gueule et je vais la mettre sur internet avec toi. On va voir si t'as le droit. Mais on veut pas tes 100 euros, tu comprends? On veut pas tes 100 euros. On va aller au flic pour tout ce que t'as fait, pour la vidéo, pour le montage, nous, à moitié à vous. Vous voulez combien de pourcents sur l'argent? On n'en veut pas rien ton pourcentage. On n'en veut pas. On veut rien de pourcent. On veut qu'on est sur Smule. On veut que vous nous foutez la paix. On est tranquille. On est sur un site pour chanter. On veut pas que vous venez nous emmerder. C'est tout. Attends, à l'image. Prends les 100 euros. T'en as besoin pour tes potes. Mais les voyageurs, ils n'ont pas besoin. Et ferme ta gueule. Laisse les voyageurs tranquilles. Toi, t'as compte ta mère. Je t'encule ta grand-mère. Nique tes morts. Nique les voyageurs. Les voyageurs, ils t'emmerdent. C'est quoi? Mange tes morts. Tu vas dans le cercueil de qui tu veux. Tu prends ton être très cher, tu le déterres et tu le bouffes. La magie noire, ça existe très bien. Et les voyageurs savent très bien faire du mal. Alors, je retiens tous les noms. Surtout le DG machin, là. Toi, il va t'arriver un malheur, mon pauvre. Sur la tête de ma mère, tu vas souffrir. J'espère que t'as pas le permis. Parce que si t'as le permis... Ah, t'as 14 ans. Mais tu sais quoi? Mais si t'as pas le permis, c'est pas grave. Mais mon pote, c'est quoi? Tu vas prendre un scooter. Ouais, le premier poteau que tu vas voir, c'est pour ta gueule. Ah tiens, Sylvain, stop, on m'a envoyé. Stop, quoi? Quoi? Démontage de blagues qui les encule. Sylvain, stop, on m'envoie démontage à une vidéo où tu suces une grosse tub de blagues. C'est pas grave, Cass. Demain, tu sais quoi, on va aller au Schmitt. Ben voilà. C'est mort, non, c'est mort. Putain, je suis dans la merde. La plainte a été déposée, putain, fais chier. Ah mais si, sur la tête de ma mère, désolé Sylvain, mais là on y va. Non. On a plein de vidéos, on est sur Nooporn. C'est à mais cause j'ai... de toi tout ça. Mais j'ai rien fait, putain. Ah, attends, tiens, il y a Guillaume qui arrive. Attention, ça va gueuler. Putain, y a pas de Milo. T'as rien fait, cette fille de pute. C'est qui ça? Tu dis que t'as rien fait. Ok. J'ai rien. Tu sais où on habite en Romania, en Auvergne. Y a pas de soucis. Tu te pointes ici, je te dis comme ta mère la pute. Tu m'as compris? Moi je suis militaire, moi j'ai peur de personne. T'as compris? T'insultes ma femme, tu m'insultes moi et t'insultes aussi mon gamin qui dort. Ok, t'as deux dos de réveiller. Donc maintenant ferme ta gueule, on va essayer de putain de vidéo parce que je te jure demain sur la tête de ma mère, sur la tête de qui tu veux, on va au flic. Et tous vos petits PD là qui parlent. Y'a pas de soucis, j'ai pas insulté, mais ferme ta gueule, je t'emmerde, je t'encule ta race. Regarde, tu vois celui-là, tu le mets dans ton cul, tu tournes bien. Maintenant, je vous emmerde tous. Vous avez compris? Non, mais, oh, Guillaume, on est sur un site, ouais. Où on est en train de sucer des bites de black. Ouais, je sais, j'ai entendu. Sylvain, mais qu'est-ce que tu pas? Tiens ton mec de toi. De mais, quoi? Mais ma femme, elle me tient pas en chien, en fait. Ah oui, mais tiens j'ai ton pas mec. Pas un chien, y'a que les chiens que je tiens, en fait. Ma femme, elle me tient rien du tout. Mais il n'y a pas de je règle ça à la mienne. Mais il n'y a pas de règle ça à la mienne. Moi, la mienne, c'est quoi? C'est ma bite dans ton cul directement au Schmitt. Tu veux rigoler? On va rigoler. Je viens en paix, non? Il n'y a que Zalien qui vient en paix. Mais oui, je viens en paix. Toi, tu viens en paix de première, donc tu viens pas en paix, je suis désolé. T'es streamer, t'es machin, ça va être un peu plus haut que ton cul, t'es payé pour faire ça? Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Je vous donne 1000 euros par PayPal, mais va te faire enculer les 1000 euros.
On n'en veut pas tes 1000 euros à la con, hein. Ton argent volé, ton argent blanchi, je sais pas quoi. C'est pas de l'argent volé, c'est des gens qui font des dons, hein. C'est des subs. Bon, toi tu es hier, ta femme se fait fourrer. Ah oui, vachement. J'ai besoin d'argent les gars, j'ai besoin de... Putain, pour étouffer l'histoire. On est à 24 ensemble. Ils sont sur un live là, ils sont en train de parler sur moi là. Je sais même pas quoi dire pour me défendre. Non, je vais envoyer des MG pour qu'il étouffe l'histoire les gars. De quoi? Ta femme s'est fait violer, elle ne te dit rien, mais nous, elle nous l'a dit, mon pauvre gars. Putain, qui a dit ça? Putain, les gars, arrêtez de parler. Putain, ah, déjà, tu t'es fait piéger tout seul dans ton piège déjà. Oh, putain, donc on sait très bien que c'est toi. Et tous vous autres. Tiens, mon cœur, ah j'ai ouais trouvé qui c'est. J'ai trouvé qui c'est. Jufel. Jufel, il s'appelle. Voilà, enfin, il comprend que c'est pas moi. Enfin, putain. Tu vois, Jufel. Tu vois, y a pas de souci. On va aller au commissariat, je vais te donner ton nom. Hop, ils vont te retrouver avec ton adresse IP, ils vont faire appel à machin, ils vont te retrouver ton adresse. Merci Cox pour le sub, merci beaucoup. Ils vont te retrouver chez toi, et bah ça tu vas dans la merde. En fait, si tu veux, il y a un putain de hacker qui s'appelle Sylvain94, oh, qui ont hacké ma femme et ma meilleure amie sur des vidéos. Et du coup, ils ont été disposés sur internet. Il y a tout plein de petits bâtards là, donc contre Jufen, machin, truc comme ça et tout ce bordel. C'est dans la merde les gars, moi je pense que je balance, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Qui ont posé des vidéos de cul de ma femme quoi, c'est-à-dire qui ont fait un montage et qui ont posé des mais vidéos ils ont de pas cul fait... sur oh là partout. Là. Supprimer toutes tes photos de Twitter et sur YouPorn. Monte ta tête. Pourquoi on monte ma tête? Parce que nous on le c'est fait. C'est DMG les gars. Après, on s'en fout. Bah je oh, peux putain pas montrer ma tête, je suis mineur. Et alors? Moi j'ai bah, eu beaucoup j'ai de mineurs envie qui montraient sa tête sur ce mur. Il bah, s'est incrusté les gars. Ça me fait très peur vu que t'as une coupe de militaire. Ouais, genre, allez. Il s'est passé pour moi, les gars! Ça, c'est pas notre gars, souci. Tout le monde nous dit je que c'est fait pas Sylvain, tout le monde nous dit que c'est pas Sylvain. C'est que les mecs, ils te connaissent. Donc, tout le monde bah, nous dit c'est que c'est pas Sylvain. C'est moi, Sylvain, tu veux que je m'appelle comment? Regarde-moi. Non, regarde. Regarde. C'est bien, pas toi, Sylvain. Regarde tout le monde aussi qui parle en bas. Tout le monde dit que c'est pas Sylvain. Donc, tu n'es pas Sylvain. Mais t'as de la merde dans les yeux, toi, ou quoi? Bah non, parce que je te vois pas, donc je risque pas d'avoir de la merde dans les yeux. Regarde, j'ai envoyé un message, j'ai dit si c'est moi. T'es con ou quoi? Ouais, je suis con, bien sûr, t'as raison. Comment ça, je me débrouille? T'es hacker, tu te débrouilles, tu dois savoir retrouver les mecs qui ont fait les vidéos en traçant leur URL. Si t'es hacker, tu dois savoir faire ça. Est-ce qu'on peut faire un arrangement? Si je retrouve les hackers en vous donnant leur adresse et leur IP, vous me laissez tranquille. Non, nous ce qu'on veut, c'est que toutes ces vidéos de nous, photos, montages sur moi et ma pote, soient supprimées. D'accord, bah vous savez quoi? Ça tombe bien parce que j'ai un cousin qui travaille à la DGSE. Je vais le contacter, on va retrouver ces fils de pute qui ont fait les vidéos. Et on voit, on va les mettre dans des caves. Vous dites votre image de mère, mais si votre fils il a 17 mois, il a même pas les yeux ouverts, qu'est-ce qu'il s'en fout? Il se pisse oui, encore même, dessus. Mais imagine si la vidéo elle reste plus tard, que d'autres enfants regardent ça, qu'ils nous voient, ils vont penser quoi après notre fils? Mais hey, tu sais, ça reste sur internet. Vous croyez qu'en 2030 votre fils il va taper le nom de votre mère comme ça sur Pornhub? Mais qui en plus, c'est même pas mon nom que t'as mis, c'est même pas mon nom. Oui, je sais, j'ai mis Julien, enfin c'est pas moi, mais la vidéo c'est Cassandra se fait tringler dans la cave. Se fait étrangler dans la cave. Oh putain. Oui. Et pourquoi vous avez fait ça? Mais c'est pas moi. C'est les spasmeurs. Mais je m'en fous, trouve une solution. Et tes parents sont courants de ce que tu fais là? Mes parents, ben comment dire? Non, moi je pense pas qu'ils soient au courant. Oh non. Bah des fois ils veulent me couper internet, du coup je leur mets des baffes. Mais ouais, c'est un peu moi qui ai le contrôle. Tu sais, t'as pas vu la vidéo? Non, je t'avoue que je l'ai regardé en faisant popo. En gros, tu te prends, comment dire, une bite, enfin voilà quoi. Oh non, il a osé. Ouais, mais attends, tu te rends compte? Tu as quel âge, sans indiscrétion? J'ai 14 ans, et toi? Moi j'en ai 33. 33, et t'es pas couché? Bah non, parce que comme je t'ai dit, je suis en train de régler mon problème, c'est toi qui devrais aller au dodo. Bien toi qui as dit que Julie, c'est un cadavre. Oui, ça, je l'avoue. C'est vrai qu'elle tu est très moche, au moins faire des excuses. Oh non, pas très moche, mais non, mais pas le physique, on a dit. Mais oui, mais bon, après, t'as vu sa tête de voyageuse? Ben et oui. Alors? Et alors, c'est une voyageuse, alors, c'est quoi le problème? Comme si moi, c'est par exemple, t'es noir, je pourrais dire, oh, t'as une face de caca. Tu crois que ça te ferait plaisir, toi? T'es sérieux, là? Non, mais c'est non. Pour dire. C'est pour donc dire, plus, c'est une façon attends de parler. Donc t'as un problème parce que je suis bisexuel non, et parce que je suis noir? Non, c'est non, une façon de parler. C'est une façon de parler. On est en train de te donner un exemple. C'est pour t'expliquer que ça fait mal. En non caca. Moi, je suis pas un caca. On est raciste envers les homosexuels. Pas du tout. Non. Subis déjà. On s'en fout. C'est juste un exemple pour te faire comprendre, pour te faire que, comprendre c'est mal que ça fait mal. Je te présente mes excuses en avoyant dit sale cadavre et sale voyageuse qui fait des roues en des grandes roues en Roumanie. Je suis désolé, je présente mes excuses. Mais il va trop. Mais maintenant, on est toujours au même problème. Oui, la photo de toi qui se fait étrangler à la cave, je sais. Il faut régler ça.
Et maintenant, oui. Est-ce que tu sais qui c'est qui l'a posé? Je crois que c'est Jufed. Si le Spaz meurt, c'est lui qui l'a posé. Jufed, oui. Mais après, je crois que le Jufed n'habite pas en France. C'est ça le problème, tu vois. Vous, je sais que vous êtes des voyageurs de la nuit et vous pouvez le retrouver ailleurs que la France. Non, je suis pas voyageur de la nuit, en fait. T'es pas routier? Non, mais... Non. Non. Mais il est pas désolé avec ton double menton, j'avais cru. Je suis vraiment désolé. Il est mort. Bref, un peu c'est soit que... oui, tu lui fasses les vidéos, ou soit on ira porter plainte. Bah, moi, je me permets, Madame Cassandra, parce que vous, vous avez rien dit. Mais quand j'ai dit... quand j'ai insulté de cadre votre copine, elle m'a dit que j'allais me faire sodomiser par un noir. Parce qu'elle s'est défendue. Tu connais pas comment ils sont, les voyageurs? Non, expliquez-moi, madame, ils sont comment, les voyageurs? Ils sont agressifs. Comment ça, agressifs? Oui, attends. 2 minutes. D'accord, j'attends. De toute façon, là, je suis en train de déposer une pêche. Donc bon, j'ai tout le temps. C'est un malade, mais qu'on l'a... Oh là, tu te fous de la gueule des gens? Comment ça? Oh putain, tu te fous de la gueule des gens H24 là. Ah, c'est juste qui a pris le contrôle. Ça commence à saouler, tu respectes personne. Et alors si j'ai envie de respecter personne? En plus, je l'ai prévenu que tu streamais et tout ça. T'es et un bah, malade toi, faut que t'arrêtes un peu. Et bah vas-y, vous savez quoi? Ouvrez tous vos oreilles, Cassandra et Julie. C'est moi qui ai fait les montages Pornhub où tu te fais tringler dans une cave. Maintenant, allez vous faire enculer, moi j'ai bien. Et sur ce stream, j'ai gagné 20k. T'es sérieux? Ouais, c'est moi qui ai fait les montages. Hein? Oh, tu te fais tringler. T'es vraiment un gros connard, va. Ouais, bah je suis un connard et alors? Moi j'ai fait ma thune, j'ai fait mon blé, je m'en fous. Oh là là. Tu sais qu'à cause de toi, j'ai failli avoir un virus parce que j'ai craqué Sony Vegas Pro. Juste pour faire le montage. Tu parles à qui? Tu parles à Cassandra là? Oui, à Cassandra. Dégage. Donc, maintenant aussi. Quand t'étais au micro, je t'ai menti et tout. Mais sale cadavre, sale voyageuse. Tu fais des grandes roues en Roumanie, hein. Mais non, mais bah, pas physique. Arrête, respecte les gens, Sylvain. Tu l'as streamé, t'as montré sa tête. T'as dit que c'était un cadavre et ensuite vous avez dit ensemble avec le chat que vous alliez faire des montages Pornhub de elle. Et genre maintenant il y a plein de blacks qui les sodomisent. Et tu trouves ça respectueux? Bon, c'est vrai que c'est pas trop bien, mais tu vois par exemple là je suis aux toilettes et je peux te dire que si je vais sur le site Pornhub, je peux te dire qu'en regardant sa vidéo j'aurai du plaisir, tu vois, ça va sortir plus vite. Mais t'as pas à faire ça en fait. Bah ouais, en fait moi je connais ton adresse Sylvain, je sais où t'habites. Je sais que t'habites à Noisy-le-Sec, donc je vais venir t'enculer en fait. Bah ouais, je vais venir t'enculer. Quoi? Bah ouais. Arrêtez s'il vous plaît. Tu peux lâcher le micro, Nico Salachias. Tu vas pas être déçu. Ok. Je vais être calme. Je vais essayer de contrôler. Là, tout à l'heure, tu viens, tu prends le micro, tu t'excuses. Comme par hasard, Nico, il prend le micro, tu recommences à m'insulter. Je t'explique. Parce que, en fait... Tu rigoles, là. Mes excuses étaient un mensonge. Parce que si je m'étais excusé, imagine 10 ans plus tard, je serais dans le regret, parce que je t'aurais menti, je t'aurais plus jamais retrouvé. Pas con, m'excuser. Là, je suis dans le mal. Je veux pas avoir de problème, parce que je suis déjà... Si tu veux pas avoir de problème, le seul conseil que je te donne, tu vas supprimer toutes les vidéos que t'as fait de moi et de Cassandra. Ouais. Mais supprimer, les gars. Les montages, là, les vieux montages, vous avez... C'est toi le créateur. Tu t'es démerdé. J'ai fait le montage, mais j'ai pas upload. Tu t'y connais. Tu supprimes toutes les vidéos. Mais parce après, que tu vois, je vais t'expliquer ce que c'est les voyageurs, moi. Oui, vas-y, explique. Les voyageurs, c'est des mecs avec une jambe de bois. Tout en famille. Alors, les voyageurs, c'est des gens qui vivent... Moi, je vis en appartement. Voilà. D'accord. Mais les voyageurs, c'est des gens du voyage. Des gens qui vivent dans des caravanes, sur des terrains. Ouais, des gitons. Des gitans. Ah, dis-moi, voilà, question existentielle, j'ai toujours voulu avoir la réponse. Est-ce que les pizzaiolos, ils vivent dans les caravanes? Mais c'est quoi le rapport? Ça livre partout, mais... D'accord. Mais la gendarmerie, même la gendarmerie travaille avec les voyageurs. Tu vois, parce que les voyageurs, il y en a, je dirais pas où j'habite, déjà. Oui. Mais l'endroit que je connais très bien, où toute ma famille y est là-bas... C'est pas Bobigny, s'il te plaît. Même... Les gendarmes n'y vont pas. Même les gendarmes n'y vont pas quand il y a des bagarres. Parce que là-bas, c'est pas à main nue qu'ils se battent. Ils attendent que les tirs de feu s'arrêtent pour pouvoir rentrer sur les terrains. Moi, si tu veux, je t'explique un peu mon passé. J'ai déjà allé 3 mois en prison pour mineur. Okay. Parce que, enfin, ça reste mais secret. Mais si t'arrêtes pas tes conneries, c'est tu vas y retourner. C'est parce que j'ai fait des attouchements sur ma petite sœur dans le bain. Donc tu vois, je veux pas avoir de problème encore. Mais si tu recommences, si tu veux en ravoir, moi, le seul conseil que je te donne, c'est que t'arrêtes. Moi, Cassandra, n'importe qui est sur ce mule,
de nous scrimer pour gagner de l'argent sale, parce qu'un jour, c'est ta vie que tu vas y passer au trou. Moi, je connais des gens, tu vois, qui me sont chers et qui sont en prison en ce moment. Tu vois ? Hein ? Il est foutu. Moi, j'ai pas mal de voyageurs qui vont sur YouTube, qui font pas mal de vidéos, des chansons. Ils ont malheur de voir une photo de Cassandra ou de moi, parce que moi, ils me connaissent très bien. Si j'ai le malheur de voir une photo, ils vont te retrouver. Ils vont retrouver tous tes hackers. Merci, Ali. Mais moi, les voyageurs, je pourrais pas les retenir. Mais est-ce que... Et si je contacte... Ce qui est malheureux, c'est qu'après, ils vont s'en prendre à ta famille. Si je contacte le mec qui a upload tout, si je lui demande de supprimer en échange d'une nude, ça passe? C'est quoi ça, en échange d'une nude? C'est quoi ce c'est truc? Une photo des pieds parce que je suis fétichiste. Mais il est sérieux? Tu fais ce que tu veux. Non, mais t'es pas sérieux? De tes pieds. Tu veux une photo de mes pieds? Qu'est-ce que tu veux avec mes pieds? Mais sous ma gueule, là. Go calmer DMG, les gars. Pour fond d'écran de mon téléphone. Pourquoi faire? Bah, pour que j'ai un beau fond d'écran, réfléchis. Des pieds en fond d'écran, c'est beau. Bah, écoute, je suis fétichiste, hein. Donc maintenant, tu es contre moi parce que je suis noire, parce que je suis bisexuelle. Ah non, moi, je savais même pas que t'étais... Ah non, moi, je savais même pas que t'étais noire. Mais ouais. Moi, je savais même pas que t'étais noire, déjà, à la base. Ouais. Et moi, je sais même pas, tu vois, à la base, je sais même pas ce que c'est fétichiste. Je sais pas quoi, après, ce que tu viens de dire, fétichiste. Fétichiste, c'est quand j'aime les pieds. Ouais, t'aimes les pieds. Mais moi, tu vois, c'est pour ça, comme toi, tu me cherchais à comprendre, à savoir ce que c'était un voyageur. Oui, et moi, toi, t'es zoophile? Oh là là, mais il va trop loin. T'es zoophile? Ah non, moi, je suis hétéro, moi, j'aime les hommes. D'accord, hein, je savais pas. Zoophile, c'est... Tu sais ce que ça veut dire, zoophile? On m'a dit ça, mais j'ai plus retenu la définition. Zoophile, c'est... Merci, voilà, t'es nul. Quelqu'un qui aime les animaux, quoi, qui baise avec des animaux. Oh putain, je suis zoophile, du coup. Oh, enfin, merde. Non. Cramé, je crois. Cramax, les gars. Ça va, toi. Parce que juste, petite question, vu que toi, t'es grande, c'est-à-dire zoophile, d'où a-t-il son lapin? C'est compté comme... Ben... Oh c'est non. Que t'aimes faire du bien à tes bêtes, en fait, t'es... Bah, j'ai cru qu'il avait mal au trou du cul, je voulais l'aider. Si tu fais ça avec tous les animaux, oui, t'es zoophile, t'aimes... juste avec mon lapin. Ça veut dire quelqu'un qui sort sa queue pour la mettre dans... Ah bah non, j'ai juste sorti mon index pour le doigter, et après j'avais de la merde sur l'ongle. Alors 06, 15, 78... Non mais les gars, mais 13. Mais, putain. 06, 15, 78... Mais non mais... Je l'ai. Et t'as son adresse? Pas complète. Pas complète? Ah, ça tombe sur... Ouais, c'est normal, elle doit dormir, sa mère. Oui, bonjour madame. Donc votre fils, qui s'appelle Sylvain... C'est pas moi, je t'ai dit, c'est des spasmes, ils veulent ma mort. Pourquoi ils veulent ta mort? En gros, ils ont une sorte de crépuscule en groupe, tu vois, comme les gilets jaunes. J'ai touché une de leurs petites sœurs de 4 ans. Ça m'a attiré, je voulais découvrir de nouveaux horizons. Comment ça? Tu dis que j'ai des problèmes mentaux parce que je suis bisexuelle et noire? La phrase que t'as dit, au pire, dans 10 ans, ton fils se branlera sur toi. Au pire, on peut s'arranger. Je voulais que tu fais un virement PayPal, ça vaut? Non, non, moi, on me paye pas. Pour qui? Pour ton chien, pour ton lapin que tu permets de doigter? Quoi? T'es sérieux là? Tu parles pas de mon lapin comme ça? Comme trois pommes. Quatre voitures de flics. Quatre voitures de flics devant chez moi? Ouais. Oh putain! Il y a des gitans du plateau qui vont aussi descendre. Le Romain? Non, c'est pas Romain, non. C'est l'adjudant brigadier. Écoute, on est en bas de chez toi. Bonjour, adjudant chef. J'aimerais que tu me donnes ton adresse, on va parler calmement, d'accord? On nous a appelés, on est au courant de tout ce qui s'est passé. Donc maintenant, tu nous donnes ton adresse et on va venir discuter calmement. Avroudi, Martin, je suis l'adjudant chef. Quand on m'appelle, je réponds présent mon adjudant. Je suis vraiment désolé. Non, je ne plaisante pas.